850 000 accidents se produisent quotidiennement sur les lieux de travail à travers le monde. Des risques professionnels dont la prévention permet de sauvegarder l'intégrité physique, morale et psychique des travailleurs. Une prestation dévolue aux organismes nationaux de sécurité sociale qui veulent unir leurs forces afin d'établir des bases harmonisées de travail. Il y a des entreprises qui, justement, s'efforcent tous les jours de veiller à la sécurité et à la santé au travail. Et d'autres qui n'y pensent pas et malheureusement qui font que surviennent les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc nous essayons à travers ces premiers états généraux d'amener les entreprises à harmoniser les législations et les mesures qu'on prend pour protéger les travailleurs. Exposer leurs problèmes respectifs et échanger leurs expériences, la raison de la présence de 14 structures africaines de sécurité sociale à ces premiers états généraux. Ce forum étant le lieu par excellence du donner et du recevoir, nous assistons ici et nous attendons de manière particulière un échange de bonnes pratiques. Ensemble, on est plus fort. Oui, je crois que c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité pour nous d'apprendre beaucoup de choses. Cette première réflexion sur le développement des structures de sécurité sociale et le renforcement des préventions des risques livrera ses conclusions le 15 mars prochain.